Salut tout le monde, aujourd'hui on va présenter SCP-155 qui est un ordinateur à vitesse infinie. On peut commencer, c'est parti! 155 est un assemblage électronique consistant à un super ordinateur extrêmement modifié. Gadgets. 155 est tellement vieux qu'il capte pas Internet. Du coup, pas besoin de mettre la fibre et tout, avec Orange. Jody de Orange. Orange, ça veut dire quoi? Elle est venue installer la fibre? Lorsqu'un programme et des données cohérentes sont chargés dans 155 puis exécutés, 155 génère une distorsion temporelle sphérique d'un rayon d'environ 5 mètres. Autant dire qu'il faut pas rester à côté et que rien ne vous protégera. Bonjour. Je ne possède plus d'anus. Les airbags, créateurs de liens sociaux depuis 1971. Dans cette sphère, l'écoulement du temps est drastiquement accéléré, résultant en une accélération hyperbolique de la puissance de calcul de l'ordinateur. Bon allez, hein, à demain! L'exécution commence relativement lentement, car 155 est vieux, mais sa puissance de calcul tend vers l'infini après environ 8 minutes 14 secondes. Vous allez pouvoir appeler tous vos... C'est dégueulasse de penser ça. Je vous vois venir à 1 milliard de kilomètres, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse! Série Netflix? Et tu voyais dans son regard qu'il était fier de sa vanne. C'est-à-dire que ça se trouve, il la traîne depuis 2 ans, il se dit « Ah là là, si un jour je peux me la faire, allez, je sors le gâteau !» Dans le passé, 155 a été utilisé pour des travaux de grand calcul à grande échelle qui auraient pris des mois, voire des années avec un ordinateur normal. Malgré ses capacités cheatées, l'utilisation de 155 est dangereuse car la chaleur et les radiations générées durant son fonctionnement sont accumulées, formant une sorte de retardement d'énergie qui est relâché à la fin de l'opération. En gros, ça explose. Ah non, c'était un piège, personne n'aurait pu le prévoir! L'exécution de programmes qui excède 6 minutes résulte dans un lâcher de radiation suffisant pour nécessiter une décontamination de la pièce. J'étais en train de réparer la plage avec ma clé qui répare les plages. Dernière chose, un jour, un docteur entre un programme défectueux dans 155 qui résulta en une boucle infinie. Aïe aïe aïe. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait faire attention, voilà. Lorsque les chercheurs et les techniciens réalisèrent l'erreur, un arrêt d'urgence fut entrepris, mais 155 ne put être arrêté avant que l'exécution n'atteigne 8 minutes 3 secondes. Et merde, je retarde. À ce moment, une vague d'intense chaleur de radiation fut libérée dans la chambre de 155, résultant en 11 décès et la destruction de l'aile C du site. 155 ne reçut que des dommages mineurs à ne jamais refaire. Faire une revanche, bah non. Non, j'ai voulu faire. Voilà, c'est la fin de cette présentation de SCP, bye bye. Là, alors la transition, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur, ça y est, c'est un youtubeur.